Donc est-ce que en fait la prépa PT à Cormontaigne a répondu à vos attentes? Je pense que oui, parce que donc comme je l'avais vu en immersion, ça s'est vraiment passé de la même manière, on était vraiment une classe. Et ce qui m'a le plus surpris, c'était l'esprit d'entraide qu'il y avait entre les élèves et non de compétition comme on peut le penser en arrivant en prépa. Donc ça, c'est vraiment motivant pour travailler, parce que même si on ne comprend pas quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui sera là. Que ce soit au niveau des élèves ou des professeurs qui seront là pour nous réexpliquer jusqu'à ce qu'on puisse comprendre. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu en arrivant ici. Ensuite, comme je m'y attendais, c'est quand même une prépa, donc il y a beaucoup de travail. Il faut surtout pas baisser les bras dès qu'il y a une moindre difficulté. C'est normal de pas tout comprendre, je pense. Au départ, et en ayant plus de recul, je me rends compte qu'il y a des choses que je comprenais pas du tout en première année, et en arrivant en fin de PTSI, ou même maintenant du coup en 5 demi, je me rends compte que c'est totalement bateau et que enfin je bloquais sur des choses, et il faut juste donc attendre, je pense, avoir un peu plus de recul pour pouvoir mieux tout comprendre, et voilà. D'accord. Petite explication, 5 demi, donc. 5 demi, c'est lorsqu'on redouble la deuxième année, Ce qui est donc possible, alors qu'on ne peut ouais, pas alors redoubler la qu'on peut première pas année. redoubler la première année. Et ben ça aussi, c'est un choix qui est un peu difficile à prendre, je trouve, parce que c'est quand même, normalement la prépa c'est donc 2 ans, et c'est 2 ans de sacrifice quand même, où il faut vraiment énormément travailler, et il faut pas forcément compter les heures de travail, mais c'est vrai que c'est une tellement bonne ambiance ici que je me suis dit que c'était bien de rester dans ces conditions pour pouvoir réessayer plutôt que de vouloir changer, essayer un DUT ou autre chose et devoir repartir à zéro. Là, je savais à quoi m'attendre. J'avais déjà tous mes cours qui étaient préparés, toutes mes fiches et tout ça. Donc, ça permet d'arriver et d'avoir toutes les bases qui sont posées et il n'y a plus qu'à foncer et à se réentraîner. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup.